Gloire et louange à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons, Maître du ciel et de la terre. Merci d'étendre ta main, merci de manifester ta gloire, ton règne et ton autorité au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons et nous te glorifions, toi qui es notre Seigneur et notre Dieu. Merci d'étendre ta main de grâce dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Merci de manifester ta gloire dans tous les détails, tous les aspects de nos vies. Nous bénissons ton nom et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci, merci Seigneur pour ta victoire. Merci Seigneur pour ton règne. Merci Seigneur pour ton autorité. Que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à toi, les rois éternels. Et tant ta main de grâce, ô Maître du ciel et de la terre, glorifie ton nom au milieu de nous, glorifie ton nom parmi nous, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, de nous conduire encore dans ce programme de prière. Gloire et louange à toi, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur. Your love is kind. Alléluia. Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. Oh, your love. Come on, you make my life. I feel blessed. Hallelujah. Oh, hallelujah. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous bénissons ton Seigneur, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Hey, Jesus, you love me too much. Too much. Too much of excess love. Jesus, you love me too much. Too much of excess love. Jesus, you love me too much. Love me too much, excess love. Say, your love is kind. Your love is patient. Say, you fill my heart. You fill my heart. Thank you, Jesus. Hey. You make my life feel brand new. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much. Too much, too much, excess love. Too much, too much, excess love. Hallelujah. Too much, excess love. Hallelujah. Merci, Seigneur.
too much of excess level. Alléluia. Soyez bénis. Bonsoir, maman Alpha. Bonsoir, maman Irène. Maman Blandine, maman Marika. Bonsoir. Soyez bénis. Vous que je suis en train de voir, mais je sais qu'il y a peut-être d'autres aussi que je ne sais pas voir, mais je sais que vous êtes là. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a rien de plus que l'amour du Seigneur. Dieu nous aime. Alléluia. Nous allons lui dire, Seigneur, merci pour ton amour. Commence à lui dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Élevons nos voix, bien-aimés. Rendons grâce au Seigneur. Remercions le Seigneur pour son amour. Il nous aime, bien-aimés, au-delà de tout ce que nous pouvons penser et imaginer, n'est-ce pas? Bien-aimés, Dieu nous aime. Oh, notre Seigneur, notre Dieu, nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ton amour infini. Merci, Seigneur, pour ton amour. Oh, nous te bénissons, éternel, notre Dieu. Merci, grand roi de l'univers. Merci pour ton amour, oh, nos puissants de Jésus. Nous te bénissons, éternel, le Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons toute la gloire. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ton amour et pour ta fidélité. Seigneur, merci pour ton amour infini. Tu nous aimes au-delà de tout ce que nous pouvons penser, imaginer. Tu nous aimes au-delà, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour ton amour infini. L'amour que nous pouvons avoir nulle part auprès des hommes, si ce n'est auprès de toi. Seigneur, tu nous aimes au-delà de nos erreurs, au-delà de notre fragilité, au-delà de nos péchés, Seigneur. Tu continues toujours à nous aimer. Par ta miséricorde là, Seigneur, merci. Merci, grand roi de l'univers. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta bonté au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, grand roi de l'univers. Et nous te rendons toute la gloire. Merci, Seigneur. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis. Bonsoir. Bonsoir, bien-aimés, Louis Naina. Bonsoir. Bonsoir, papa Willy. Bonsoir, maman Janine. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous aime au-delà de tout ce que nous pouvons penser et imaginer. Réalisons, bien-aimés, l'amour du Seigneur. Nous allons bénir le Saint-Esprit qui nous accompagne, n'est-ce pas, dans ces programmes de prière. Alléluia. Élevons nos voix, bien-aimés dans le Seigneur. Élevons nos voix, bien-aimés. Bénissons le Saint-Esprit, l'Esprit de grâce et de faveur. Bénissons le Saint-Esprit qui est là. Le Saint-Esprit qui est là, bien-aimés dans le Seigneur, qui est là, n'est-ce pas, qui est là pour nous fortifier, qui est là et qui intercède pour nous. Élevons nos voix, bien-aimés. Bénissons le Saint-Esprit pour sa présence. Bénissons le Saint-Esprit pour sa présence. Oh, l'Esprit de grâce, l'Esprit de louange, l'Esprit de miséricorde, l'Esprit de paix. Nous te bénissons, cher Saint-Esprit. Nous te louons, cher Saint-Esprit. Nous te glorifions, cher Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Merci, Saint-Esprit, de nous inonder de toi. Tu es là encore ce soir, toi qui intercèdes pour nous par des soupirs inexprimables. Nous te bénissons, cher Saint-Esprit. Merci d'intercéder pour nous. Merci, Saint-Esprit, d'intercéder pour nous par des soupirs inexprimables. Saint-Esprit, merci. Merci de nous inonder. Merci de nous combler. Merci de nous remplir. Au nom puissant de Jésus-Christ, toi, l'Esprit de grâce et de faveur, toi, l'Esprit de louange et d'adoration, cher Saint-Esprit, nous te bénissons. Cher Saint-Esprit, nous te magnifions. Cher Saint-Esprit, nous te glorifions. Merci de nous inonder de toi. Merci de nous inonder de ta présence. L'Esprit de vérité, l'Esprit de grâce et de faveur, l'Esprit de louange, l'Esprit d'adoration. Cher Saint-Esprit, merci. Merci, cher Saint-Esprit. Merci de nous combler de toi. Merci de nous combler de ta présence. Toi, l'Esprit de victoire. Toi, l'Esprit de louange. Toi, l'Esprit d'adoration. Toi, l'Esprit de miséricorde. Toi, l'Esprit de paix. Cher Saint-Esprit, nous te bénissons. Merci d'inonder nos vies, cher Saint-Esprit.
Merci de combler nos vies de ta présence. Merci Saint-Esprit, parce que tu nous aimes, l'esprit de victoire, l'esprit de louange, l'esprit de joie, l'esprit de paix. Tu nous aimes, cher Saint-Esprit. Nous venons te dire merci, merci pour ton amour infini, merci pour ta bonté, merci pour ton amour infini. Merci Saint-Esprit de nous combler de ton amour, l'amour que nous ne pouvons avoir nulle part ailleurs que pour dans toi. Saint-Esprit, tu nous remplis de l'amour de Dieu, remplis nos vies. Remplis nos vies, remplis nos cœurs, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, cher Saint-Esprit. Nous te bénissons, Saint-Esprit, pour ta présence au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, je disais, n'est-ce pas, bien-aimés, intercédons pour le monde. Intercédons pour le monde, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons intercéder pour le monde, c'est important. Le monde va mal, n'est-ce pas? Nous avons une crise sanitaire, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, dans laquelle... cette pandémie dans laquelle nous sommes loin, n'est-ce pas, venir dans les uns de nous, de sortir, n'est-ce pas, venir de l'auberge. Comme on dit, cette crise sanitaire, apparemment, elle ne fait que s'empirer. Nous ne savons pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. On a du mal à comprendre. Et dans cette crise, on ajoute, n'est-ce pas, il faut se faire vacciner, il faut ne pas se faire vacciner. Il y a du tout. Il y a ceux qui veulent se faire vacciner, il y a ceux qui ne veulent pas, il y a ceux qui ont peur, il y a ceux qui l'ont fait, et par après, ils ont peur. Mais finalement, bien aimé, on est perdu. Sincèrement, on est perdu. Même ceux-là qui dirigent, ils ont du mal à être clairs par rapport à ce qu'ils veulent, là où ils amènent les gens. Même les dirigeants politiques, bien-aimés, les scientifiques sont divisés, départagés. Les laboratoires, bien-aimés, dans l'océan, on raconte tout et n'importe quoi. Les théories aussi conspirationnistes, bien-aimés, on dit tout et n'importe quoi. Donc, on est perdu, bien-aimés. Le monde est perdu. Ajoutez ce qui vient de se passer là en Europe, en Allemagne, en Belgique, en Hollande, et dans ce pays-là où il y a eu les inondations. Comme si cela ne suffisait pas, bien-aimé dans le Seigneur. Les gens sont morts, n'est-ce pas, avec ces inondations. On est au-delà de 130. En Belgique, on en a 30 quelque chose. En Allemagne, c'est une centaine. Bien-aimé dans le Seigneur. N'est-ce pas? C'est là que nous devons prier. Autrefois, bien-aimés dans le Seigneur, il y avait une crise. Pourquoi nous disons prier, n'est-ce pas? Prier, intercédons. Pourquoi intercéder, bien-aimés dans le Seigneur? C'est quoi finalement l'intercession? C'est quoi? La prière d'intercession, bien-aimés, c'est une prière qui libère la puissance en faveur des autres. Cette prière, bien-aimé dans le Seigneur, elle libère la puissance en faveur des autres. Ça veut dire que les situations et les individus ont besoin, n'est-ce pas, bien-aimé, de nos prières. Je dis bien, les individus et les situations ont besoin de nos prières pour que les situations difficiles, compliquées, catastrophiques changent, pour que ce que les individus traversent comme situation, que ce soit dans leur corps, que ce soit dans leur environnement, que Dieu, n'est-ce pas, que Dieu étende sa main. D'une part, nous savons, bien-aimés dans le Seigneur, que l'ennemi, n'est-ce pas, en dehors de la nature, en dehors de l'homme lui-même, l'homme, bien-aimé dans le Seigneur, peut être, n'est-ce pas, la source de son malheur, la source du drame, n'est-ce pas, qu'il traverse. Tout comme, bien-aimé, la nature elle-même, bien-aimé, elle peut se déchaîner. Tout comme, bien-aimé dans le Seigneur, ça peut être Satan, le diable, qui peut s'élever, bien-aimé dans le Seigneur, pour créer des situations dans l'environnement, ou dans la vie de l'homme. Rappelez-vous la situation de Job. La Bible nous dit clairement, c'était un homme intègre, il craignait Dieu, il s'est détourné du mal. Mais Satan s'est levé, bien-aimé dans le Seigneur, avec l'autorisation de Dieu, bien sûr. Satan cherchait à tout prix à nuire à la vie de Job, à cause du fait que Job était attaché à Dieu, à cause du fait que Job était vrai, était intègre. Le but du diable, bien-aimé dans le Seigneur, c'est de nous éloigner de la volonté de Dieu, de nous éloigner du programme de Dieu. C'est ça le but du diable. Les voleurs ne viennent que pour, il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et Jésus dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Lui, il vient, bien-aimé dans le Seigneur, juste pour égorger, voler et détruire, c'est tout.
C'est ça son but. Et la Bible nous dit clairement, bien aimé dans le Seigneur, n'oubliez pas, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu avec les brebis, afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est ça le but de Dieu. Que nous soyons dans, nous ayons la vie. Dieu n'est pas là, bien aimé, pour créer, n'est-ce pas, les troubles, les délits, les inondations. Non. Il en avait fait autrefois pour juger l'homme, mais puis il s'est repenti, il dit, je ne ferai plus jamais ça. Mais nous savons une chose, c'est que le monde entier, béni dans le Seigneur, est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Et donc, nous devons, bien aimé, nous lever dans la prière lorsque nous voyons des situations deviennent compliquées autour de l'homme. Nous devons prier, nous devons intercéder. Comme je l'ai dit tout à l'heure, intercéder, bien aimé dans le Seigneur, c'est faire une prière qui libère la puissance en faveur des autres. Intercéder, bien aimé dans le Seigneur, dans cette prière d'intercession, on se tient, n'est-ce pas? L'intercesseur se tient entre Dieu et la personne, ou entre Dieu et la situation, pour laquelle la personne est en train de prier. Dieu d'un côté, la personne pour qui vous priez de l'autre côté, vous tenez au milieu. Vous dites à Dieu, vous parlez à Dieu par rapport à la situation de la personne, pour que Dieu change la situation de la personne. Vous vous tenez entre Dieu et la personne, et l'individu. Ou vous vous tenez entre Dieu et la situation, vous dites à Dieu, la situation, si elle n'est pas bonne, je prie que tu la changes. Vous implorez la grâce et la miséricorde de Dieu. Et Dieu, bien aimé dans le Seigneur, a besoin des intercesseurs. Il en a besoin, bien aimé dans le Seigneur. Dieu a besoin des intercesseurs. C'est pourquoi dans la parole de Dieu, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons Dieu se plaindre quelque part, disant, ben, je ne trouve personne, j'ai besoin des gens qui intercèdent, mais je n'en vois pas. Ézéchiel 22, verset 1, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi, en faveur du pays, vous voyez, n'est-ce pas? Qui se tient à la brèche devant moi, en faveur du pays. Donc là, il y a le pays, n'est-ce pas? Là, il y a Dieu. Mais la personne doit parler, n'est-ce pas, à Dieu à propos de ce que le pays est en train de courir comme catastrophe. Afin que je ne les détruise pas, mais je n'en trouve point. Vous voyez, n'est-ce pas? Je cherche un homme, je cherche parmi eux un homme, donc un homme ça veut dire une femme aussi, je cherche un homme, je cherche une personne, un homme ou une femme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Ésaïe 59, le verset 16, Dieu s'étonne, il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède, bien dans le Seigneur. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Donc, bien dans le Seigneur, on a besoin déjà, bien dans le Seigneur, qui intercède, qui élève la prière en faveur des autres, en faveur de certaines situations. Bien aimé, intercéder, n'est-ce pas, bien aimé, c'est que vous priez parfois avec quelqu'un. C'est-à-dire que dans ces cas-là, vous vous identifiez à l'autre personne dans sa requête auprès de Dieu. Et vous vous mettez ensemble avec l'individu, avec la personne. N'est-ce pas, bien aimé, dans un élan de foi pour que Dieu exauce la prière de la personne. D'autre part, intercéder aussi, c'est vous priez pour quelqu'un. Et lorsque vous priez pour quelqu'un, c'est vous prenez, n'est-ce pas, c'est vous qui prenez la majorité, n'est-ce pas, bien-aimé. Vous prenez, n'est-ce pas, c'est vous qui prenez la majorité de l'initiative. Vous identifiez le besoin de la personne, bien dans le Seigneur, comme étant vos besoins. Et vous amenez tous ces besoins dans la présence de Dieu, dans la prière, bien sûr. Et aussi, parfois, bien aimé, vous priez contre quelque chose. C'est ce qu'on appelle les combats spirituels. Contre, bien aimé, les réalités spirituelles de Satan, le diable. Tel qu'il est écrit dans Éphésiens 6, le verset 10 à 18.
Là, bien-aimé, c'est cette prière, bien-aimé, qui démantèle les forteresses démoniaques, n'est-ce pas? Qui s'opposent à ce que nos prières atteignent Dieu. Voyez-vous, bien-aimé, dans le Seigneur? C'est pourquoi 1 Timothée 2, 1 dit: j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Vous voyez, n'est-ce pas? Tous les hommes. Le verset 2 dit: pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Le verset 3 et 4: cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà la volonté de Dieu, bien-aimé. Que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tous les hommes. C'est pourquoi Abraham, bien-aimé, le Seigneur, lorsqu'il y a eu une situation difficile à Sodome et Gomorre, là où se trouvait son neveu Lot, Abraham a commencé à intercéder. Et l'Éternel dit: les cris contre Sodome et Gomorre s'est accru et leur péché est énorme. Genèse 18, le verset 20. Genèse 18, le verset 21. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Le verset 22 dit: les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham s'éteint encore en présence de l'Éternel. Vous voyez, n'est-ce pas, bien-aimé? Abraham s'éteint encore en présence de l'Éternel. Abraham, bien-aimé dans le Seigneur, il était en train d'intercéder, dit: Seigneur, s'il y a 50 juifs dans ce pays, tu détruiras ce pays. Mais il y a des justes. Dieu dit: non, je ne détruirai pas à cause de ces 50. Il descend, dit: s'il y a 40 justes, il dit, Dieu dit: je ne détruirai pas. Il dit: mais s'il y a 30 justes, Dieu dit: je ne détruirai pas. Mais s'il y a 10 justes, Dieu dit: je ne détruirai pas à cause de ces 10 justes. Bien-aimé, Abraham était en train d'intercéder parce que son neveu était là. La famille de son neveu était là, Sodome et Gomorre, alors que Dieu avait déjà arrêté un jugement sur Sodome et Gomorre. Mais Abraham a intercédé, bien-aimé, pour que son neveu, n'est-ce pas, ne puisse être victime de ces jugements-là. Et donc, nous pouvons prier, bien-aimé, par rapport à tout ce qui se passe dans ce monde, bien-aimé, le Seigneur. Nous pouvons élever nos voix, prier. Que Dieu s'élève, n'est-ce pas? Nous allons élever nos voix, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons élever nos voix ce soir. Nous allons d'abord prier, bien-aimés dans le Seigneur. Prier, n'est-ce pas, pour que Dieu établisse son règne dans le monde entier. Nous allons prier, Seigneur, que ton règne vienne, que ton règne s'établisse dans ce monde où, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, les gens croient que, n'est-ce pas, ils croient qu'ils sont le maître du monde. Ils croient qu'ils ont le droit de faire, le droit de vie et de mort sur les êtres humains. Ils croient qu'ils peuvent tout décider, ils peuvent tout décider sur les autres. Ils croient que tout leur est permis. Ils ont le droit de vie et de mort sur les autres. Les autres, ce sont des animaux. Ils ont le droit de dire, éliminez-les, on les élimine. Ils ont le droit de dire que non, voilà. Eux, ils peuvent ne pas dormir aujourd'hui. Ils ne dorment pas. Là-bas, ils créent la guerre là-bas. Donc, ils croient qu'ils... On les appelle même les maîtres du monde. Bien-aimés, c'est Dieu qui est le maître du monde. Il est le maître du ciel et de la terre. Bien-aimés, Dieu est le maître du monde. Je vous assure, bien-aimés, j'insiste encore, Dieu est le maître du monde. Il est le maître du monde. Je voudrais encore insister, bien-aimés, Dieu est le maître du monde. Personne ne peut se targuer à la poitrine pour dire que le monde est à lui. Non, bien-aimés, Dieu est le maître du monde. Le monde ici, bien-aimés dans le Seigneur, appartient à Dieu. Qu'on le veuille ou pas, le monde appartient à Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Mais il y a des gens qui croient que le monde est à eux. Alléluia. Mais nous savons, bien-aimés dans le Seigneur, alléluia, le monde appartient à Dieu. Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, il est le maître de ce monde. Voilà pourquoi nous allons prier pour lui, Seigneur notre Dieu. Nous savons que tout est à toi. Le monde est à toi. Le monde t'appartient, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, le monde appartient à Dieu. Tout est à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous avons, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, des promesses claires qui montrent, bien-aimé dans le Seigneur, que le monde ici, bien-aimé, appartient à Dieu. Nul ne peut s'opposer à la volonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Nul ne peut s'opposer à la volonté de Dieu parce que le monde est à Dieu. Le monde et tout ce qui les renferme appartient à Dieu, qu'on le veuille ou pas, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Le monde et tout ce qu'il renferme appartient à Dieu.
Et nous devons prier pour rappeler, bien aimé, que le monde n'a pas. Psaume de David, le psaume 24, le verset 1. Psaume de David, à l'éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Le monde de ceux qui l'habitent, à l'éternel. Bien aimé, le monde de ceux qui l'habitent. C'est à Dieu. C'est pas aux hommes. C'est pas aux États-Unis. C'est pas au président des États-Unis. C'est pas à Biden. C'est pas à Poutine. C'est pas à Macron. Ce n'est pas au roi Albert. Ce n'est pas à la reine, bien-aimée. À la reine, n'est-ce pas, bien-aimée, d'Angleterre. Non. Le monde, bien-aimée, dans le ciel, appartient à quoi qu'ils disent. Le monde est à Dieu. Ils se disent les maîtres du monde, mais c'est par abus de langage. Parfois par orgueil. Parce que c'est confiant dans ce qu'ils ont comme force, comme puissance militaire et autres. Mais bien aimé, Dieu l'aimait. Car il l'a fondé sur les mers et affermi sur le fleuve. À l'éternel, le monde est. Bien aimé, nous allons élever nos voix pour dire, notre le monde est à toi. C'est toi le maître de ce monde. Bien aimé, dans le ciel. Dieu est le maître de ce monde. Allez bon, élevons nos voix, bien aimé. Élevons nos voix, élevons nos voix, élevons nos voix, élevons nos voix, prions le Seigneur, tendre Père. Nous élevons nos voix vers toi. Notre Seigneur, nous te bénissons, grand roi de l'univers. Nous te rendons grâce et nous t'exprimons toute notre reconnaissance. Parce que c'est toi qui es le maître de ce monde. Le monde t'appartient. Le monde, la terre entière et ce qu'elle renferme t'appartient. Seigneur, nul ne peut prétendre que le monde est à lui. Tendre Père, nous venons te dire merci. Nous venons te rendre toute la gloire au nom puissant de Jésus. Le monde est à toi. Le monde est à toi. Le monde est à toi. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons, grand roi de l'univers. Bien aimé, invoquons le règne de Dieu, n'est-ce pas? Que ton règne vienne, que ton règne s'établisse, tendre Père, dans nos vies, dans nos familles. Que ton règne s'établisse, maître du ciel et de la terre. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions, grand roi de l'univers. Seigneur, merci, merci pour ta grâce. Alléluia, voici à l'éternel ton Dieu, appartient les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Seigneur, tout est à toi, ô maître du ciel et de la terre. Que ton règne s'établisse sur la terre tout entière, parce que tout est à toi, comme il est écrit dans Deutéronome 10, le verset 14. Voici à l'éternel ton Dieu, appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Seigneur notre Dieu, tout est à toi. Maître du ciel et de la terre t'appartient, les cieux t'appartient. Seigneur notre Dieu, tout ce qui est dans le monde, dans l'univers tout entier est à toi. C'est toi le maître de l'univers. Alléluia, à toi l'éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi éternel le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Alléluia. Notre Seigneur, notre Dieu, nous proclamons ta victoire, maître du ciel et de la terre. Nous te couronnons, roi, au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ton règne. Merci pour ta victoire. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bienveillance. Merci pour tous tes bienfaits. Que ton règne s'établisse au nom puissant de Jésus. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous invoquons ton règne, maître du ciel et de la terre. Éternel notre Dieu, que tu t'élèves au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci Seigneur pour ta fidélité, merci grand roi de l'univers, merci pour ton amour, merci pour ta bienveillance, au nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons éternel Dieu Tout-Puissant, que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à toi qui es assis sur le trône éternel, reviennent à toi qui es assis sur le trône de gloire, nous bénissons ton nom, nous louons ton nom, nous célébrons ton nom, nous glorifions ton nom, nous magnifions ton nom, établis ton règne au milieu de nous, établis ton règne dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Ô notre Seigneur, notre Dieu, nous bénissons ton saint nom. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. 1 Chronique 29, le verset, on nous dit, à toi, éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, éternel, les règnes, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons, n'est-ce pas, que Dieu s'élève.
Que Dieu s'élève au-dessus de tout ce qui se passe sur la terre tout entière. Que Dieu s'élève au-dessus des coronavirus. Que Dieu s'élève au-dessus des inondations. Que Dieu s'élève au-dessus des maladies. Que Dieu s'élève au-dessus de la crise économique. Que Dieu s'élève au-dessus des catastrophes. Que Dieu s'élève au-dessus de tout le plan, n'est-ce pas, bénévole dans le ciel, que les satanistes sont en train de faire pour, n'est-ce pas, nuire à la terre. Que Dieu s'élève au-dessus de tout le plan maléfique, tout le plan satanique. Que Dieu s'élève au-dessus de tout. Alléluia. Tout ce que Satan est en train de planifier. Alléluia. Élevons nos voix, bien-aimés. Élevons nos voix, n'est-ce pas? Prenez, n'est-ce pas, que Dieu s'élève, n'est-ce pas? Que Dieu s'élève. Alléluia. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous invoquons ton règne, ton autre Dieu, que tu t'élèves au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu t'élèves, grand roi de l'univers. Que tu t'élèves dans nos vies, dans nos familles. Que tu t'élèves, éternel notre Dieu, au-dessus de tout. Au-dessus de tout ce que l'ennemi est en train de fomenter comme blanc. Au-dessus de tout ce que ceux qui se disent maîtres du monde sont en train de planifier. Au-dessus de l'antichrist. Au-dessus de la, c'est notre Dieu, alléluia, de la mondialisation ou du mondialisme. Que tu t'élèves au-dessus, éternel notre Dieu, alléluia, au-dessus, grand roi de l'univers, de tout ce que les hommes sont en train de fabriquer, c'est notre Dieu, alléluia, comme drame sur la terre tout entière, Seigneur notre Dieu, que tu t'élèves au-dessus de tout, que tu t'élèves au-dessus de tout, nous te bénissons, éternel Dieu tout-puissant, lève-toi, Seigneur, lève-toi, grand roi de l'univers, lève-toi, maître du ciel et de la terre, lève-toi, éternel notre Dieu, au-dessus de tout, lève-toi dans ta souveraineté, tu y es le Dieu souverain, nous proclamons ton règne et ta souveraineté au nom puissant de Jésus, au-dessus de tout, notre Seigneur et notre Dieu, au-dessus de tout, à toi éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité, la gloire, car tout ce qui est, alléluia, au ciel et sur la terre t'appartient, à toi éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout, ô notre Seigneur, notre Dieu, que tu t'élèves au-dessus des maladies, au-dessus des catastrophes, au-dessus du coronavirus, au-dessus des inondations, au-dessus, c'est notre Dieu, alléluia, des canicules, au-dessus de tout ce que Satan a déjà planifié dans ce monde, au-dessus de tout, que tu t'élèves souverainement au-dessus de tout le plan satanique, de tout le plan diabolique, de tout le plan maléfique, que tu t'élèves au-dessus de tout, que tu t'élèves, c'est notre Dieu, au-dessus de tout ce que la nature, alléluia, alléluia, peut fabriquer, dans ton Père, que tu t'élèves au nom puissant de Jésus-Christ. Lève-toi au-dessus de tout. Lève-toi au-dessus de tout. Lève-toi au-dessus de tout. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Au nom puissant de Jésus. Au-dessus des crises financières. Au-dessus des crises matérielles. Au-dessus des crises. Alléluia. De toute forme. Au-dessus des pandémies. Que tu t'élèves éternel souverainement au-dessus de tout. Au nom puissant de Jésus. Lève-toi souverainement au-dessus de la pandémie. Alléluia, le COVID-19, lève-toi sereinement. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité au nom puissant de Jésus. Alléluia, maître du ciel et de la terre, merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur, maître du ciel et de la terre, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimé, nous allons nous lever contre, n'est-ce pas, bien-aimé, cette pandémie. Alléluia, bien-aimé, nous allons prier, n'est-ce pas, pour neutraliser cette pandémie dans le monde spirituel. Nous allons prier pour neutraliser la pandémie, n'est-ce pas, bien-aimé, COVID-19. Alléluia, bien-aimé, nous allons prier, n'est-ce pas, que cette pandémie soit neutralisée, soit brisée. Alléluia, bien-aimé, qu'elle s'arrête, n'est-ce pas, bien-aimé, dans sa propagation. Que cette pandémie s'arrête au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons prier, n'est-ce pas, contre la pandémie, n'est-ce pas, contre cette bien-aimé dans la science, ce virus ici, bien-aimé. Nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimé. Dieu, il est celui qui agit, n'est-ce pas, bien-aimé, dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit. Il a la gestion de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. Donc, nous allons prier, bien-aimé dans le Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit neutralise cette pandémie, n'est-ce pas, bien-aimé dans la science, que la puissance du Saint-Esprit neutralise, n'est-ce pas, le coronavirus. Au nom puissant de Jésus. Proclamons trois fois, n'est-ce pas, Jésus est vainqueur. 1, 2, 3. Alléluia. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Éternel, notre Dieu. Nous proclamons ta victoire, grand roi de l'univers. Nous te bénissons. Nous te louons. Nous célébrons la grandeur de ton Saint-Nom. Nous proclamons ton règne et ton autorité. Merci, Seigneur, de t'élever contre cette pandémie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci.
Lève-toi, Seigneur notre Dieu. Lève-toi contre cette pandémie. Nous proclamons ta victoire. Nous proclamons ton règne et ton autorité. Dieu grand et redoutable, merci de manifester ta gloire. Ton règne et ton autorité, ton nom puissant de Jésus. Lève-toi, éternel notre Dieu. Lève-toi, tendre Père, contre cette pandémie. Que le coronavirus soit neutralisé, soit brisé, au nom puissant de Jésus. Tendre Père, que la propagation de cette maladie s'arrête. Tendre Père, lève-toi contre la propagation de cette maladie. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la propagation du coronavirus s'arrête. Au nom de Jésus, nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, maître du ciel et de la terre. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions. Au nom puissant de Jésus, les dieux de victoire, les dieux tout-puissants, maître du ciel et de la terre, puissant de Jacob. Seigneur notre Dieu, que tu t'élèves dans tous les détails, dans tous les aspects de nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, merci. Merci, grand roi de l'univers. Nous nous lèvons contre cette pandémie. Au nom puissant de Jésus, qu'elle soit neutralisée, qu'elle soit brisée, qu'elle soit paralysée. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons, éternel Dieu tout-puissant. Merci, Seigneur, pour ta victoire. Merci, Seigneur, pour ton œuvre à la croix. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, lève-toi. Éternel Dieu grand redoutable, lève-toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, merci. Merci, Seigneur. Merci, grand roi de l'univers. Merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Merci pour ta fidélité. Seigneur, protège mon frère et ma sœur. Protège notre éternel notre Dieu contre tout le plan de l'ennemi. Protège notre éternel notre Dieu contre tout ce que l'ennemi, alléluia, contre tout ce que l'ennemi a planifié. Protège notre éternel Dieu tout-puissant. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta faveur. Au nom puissant de Jésus, nous te bénissons éternel Dieu grand et redoutable. Nous te rendons toute la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, maître du ciel et de la terre. Merci Seigneur. Merci grand roi des nouvelles. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ, maître du ciel et de la terre. Tu es digne d'être loué, d'être célébré, d'être glorifié, d'être magnifié, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu tout-puissant, merci. Merci Seigneur pour ta victoire. Merci Seigneur pour ton règne. Merci Seigneur pour ta fidélité, au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, merci. Maître du ciel et de la terre, merci Seigneur pour ta victoire. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta faveur. Merci Seigneur pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité. Au nom puissant de Jésus. Oh notre Seigneur, notre Dieu, merci. Merci pour ta grâce. Bienvenue dans le ciel, nous allons prier, n'est-ce pas? Alléluia. Nous allons prier pour notre protection. Je dis encore, bien aimé, nous allons prier pour notre protection, pour que Dieu nous protège. Bien aimé, Dieu nous protège, n'est-ce pas, bien aimé, par rapport, n'est-ce pas, à l'attaque, n'est-ce pas, de toute maladie, notamment, bien aimé, dans le Seigneur. Que Dieu nous préserve, n'est-ce pas, bien aimé, contre cette maladie, n'est-ce pas, cette maladie, n'est-ce pas, bien aimé, coronavirus. Que Dieu nous préserve, bien aimé, que Dieu nous garde. Alléluia. Il te gardera de tout mal. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu, n'est-ce pas, bien-aimé? L'Éternel te gardera de tout mal. Nous allons lire les psaumes ici. Les psaumes, n'est-ce pas, bien-aimé? Les psaumes 121. Alléluia. On va lire les psaumes 121 à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. Nous allons lire, bien-aimé, dans le sens, ces psaumes. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? C'est extraordinaire. C'est un psaume extraordinaire. Lisons ensemble, bien dans le ciel. Lisons ensemble. Le psaume 121, le verset 5. Lisons ensemble. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Alléluia. Le verset 6. Pendant les jours, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Alléluia. Et le verset 27. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Alléluia. Oui, n'est-ce pas, le Seigneur? L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Bien aimé, te gardera de, c'est bien dit, n'est-ce pas, de tout mal.
L'Éternel te gardera de tout mal. C'est que j'aime avec la Bible, n'est-ce pas? Il faut prendre la Bible, bien dans le Seigneur, dans tout son sérieux. Elle continue, n'est-ce pas, le verset 8. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Bienvenue dans le Seigneur. Nous allons prier au Seigneur. Protège-nous contre la pandémie. Protège les nôtres. Protège le monde contre cette pandémie, Seigneur. Protège le monde contre cette pandémie. Protège le monde contre d'autres maladies, Seigneur. Protège le monde contre d'autres maladies. Les maladies d'origine satanique, d'origine maléfique. Alléluia, pour verser du sang humain. Proclamons trois fois, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, le sang de Jésus. Alléluia. Élevons nos voix, n'est-ce pas, bien-aimés. Proclamons trois fois le sang de Jésus, n'est-ce pas, bien-aimés. Que Dieu te garde, que Dieu te protège, que Dieu protège ceux qui te sont, bien-aimés, proches, que Dieu protège ta famille. La Bible dit, l'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Il dit, pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel, bien-aimé, te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Bien-aimé, tu vas prier pour dire, Seigneur, garde-moi, protège-moi contre cette pandémie. Je refuse d'être contre. Protège-moi contre la contamination. Protège ma famille, protège ma maison. C'est toi qui as dit, tu me garderas de tout mal. Le coronavirus, c'est un mal, c'est une maladie. Tu vas prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Seigneur, protège-moi, protège le mien, protège le monde aussi, que Dieu protège. Il y a des victimes, bien-aimé, que Dieu protège le monde. Si cette maladie est d'origine satanique, d'origine maléfique, bien-aimé, que Dieu protège le monde, bien-aimé, contre cette maladie d'origine maléfique et satanique. Au nom puissant de Jésus. Proclamons trois fois, n'est-ce pas, le sang de Jésus. Un, deux, trois. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, maître du ciel et de la terre. Nous prions pour ta protection, Seigneur. Protège-nous, tendre Père. Protège nos vies, nos familles contre toute forme de contamination. Protège-nous contre, c'est notre Dieu, la contamination au COVID-19. Tendre à la COVID-19. C'est notre Dieu. Protège-nous contre toute contamination. Toute forme de contamination. Au nom puissant de Jésus, protège ma maison, protège tendre père de mon épouse, protège ma vie, protège les ministères, protège mes frères et sœurs, protège tendre père nos familles respectives, tendre père, protège tes enfants, protège le monde éternel notre Dieu contre éternel notre Dieu. C'est les maladies sponsorisées par là, Satan le diable, les maladies sponsorisées par les sorciers, les maladies sponsorisées par les occultistes, les maladies sponsorisées par les démons. Protège-nous contre toutes ces maladies sponsorisées par les démons. Protège-nous, tendre Père, contre tout ce que l'ennemi a planifié dans ce monde pour nuire à la vie des hommes. S'il te plaît, tendre Père, protège-nous. C'est toi qui nous as promis. Tu nous garderas de tout mal. Tu nous garderas de tout mal. Notre Seigneur, notre Dieu, merci de nous préserver. Garde-nous, tendre Père. Garde-nous de cette pandémie. Protège-nous, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons, éternel Dieu grand redoutant. Merci de nous protéger contre toutes les maladies d'origine démoniaque, d'origine maléfique. Protège nos vies, protège nos familles. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions. Au nom puissant de Jésus, éternel notre Dieu, merci de nous protéger, de protéger nos familles, de protéger nos enfants, de protéger nos maisons. Protège-nous, éternel notre Dieu. Merci, c'est toi qui nous as promis la protection. Tu as dit, tu nous garderas de tout mal. S'il te plaît, tendre Père, protège nos familles respectives, protège les enfants, protège les petits-enfants, protège même les bébés dans les ventres de leur mère. S'il te plaît, tendre Père, protège-nous contre cette pandémie, protège-nous contre tout vent. Tout vent maléfique, contre toute maladie, c'est notre Dieu, contre tout vent maléfique, contre tout vent démoniaque, protège-nous, éternel notre Dieu, protège-nous, grand roi de Dieu, contre les maladies dans les airs, contre les maladies, c'est notre Dieu, sponsorisées par les démons, sponsorisées par Satan dans les airs, s'il te plaît, protège-nous contre les mauvais airs, protège-nous contre les mauvais vents, s'il te plaît, tendre Père, protège tes enfants, protège nos familles, protège ton peuple, protège ton église, tendre Père, merci pour ta protection, nous demandons la protection au puissant de Jésus. Nous proclamons ta victoire dans le monde entier. Protège le monde entier contre ce notre Dieu. Alléluia. Cette pandémie de COVID-19,
protège l'univers tout entier, protège le monde, protège l'univers tendre Père, au nom puissant de Jésus, protège la vie, c'est notre Dieu là où se trouvent des vies humaines, tendre Père, protège les vies humaines, au nom puissant de Jésus, nous prions tendre Père pour une protection spéciale des vies humaines, protège les vies humaines contre les maladies, contre les catastrophes de tout genre, protège les vies humaines, au nom puissant de Jésus, nous proclamons ta victoire éternelle, Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur, bienvenue dans le Seigneur. La Bible dit, n'est-ce pas, l'Éternel te gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Tu vas prier bien dans le Seigneur. Tu dis, Seigneur, chaque fois que je quitterai ma maison ou j'irai quelque part, Seigneur, tu garderas mon départ et mon arrivée. Alléluia. Tous les jours, Seigneur, garde mon départ et mon arrivée. Dès que je quitte pour aller quelque part, Seigneur, protège-moi. Garde mon départ et mon arrivée. Protège-moi des accidents. Protège-moi de toute forme, n'est-ce pas, des situations difficile, compliqué, chaotique. Bien-aimé, que Dieu protège ton départ et ton arrivée. Nous allons, bien-aimé, prier aussi pour ceux qui sont en voyage, ceux qui sont en vacances. Bien-aimé, dans le Seigneur, que Dieu les protège, que Dieu les garde, que Dieu garde leur départ, que Dieu, n'est-ce pas, garde leur arrivée. Au nom puissant de Jésus. Élevons nos voix, n'est-ce pas, proclamons trois fois Jésus est vainqueur. Un, deux, trois. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Alléluia, maître du ciel et de la terre. Merci pour ta protection éternelle, Dieu Tout-Puissant. Merci de nous protéger, grand roi de l'univers. Protège nos vies, protège nos familles, protège notre départ, tout comme notre arrivée. Au nom puissant de Jésus-Christ, souviens-toi de tous qui sont partis en vacances, tous ceux qui sont partis en vacances. Tendre Père, protège-les, garde-les, protège-les, c'est notre Dieu. Protège leur départ, protège leur arrivée. Éternel notre Dieu, nous prions aussi que tu les protèges pendant qu'ils sont en vacances, que tu les gardes, de tout mal, que tu les gardes des empoisonnements, que tu les gardes de noyades, que tu les gardes des accidents. S'il te plaît, tendre Père, nous refusons les accidents, nous refusons les noyades, nous refusons, tendre Père, toutes formes et les troubles, nous refusons les empoisonnements. Tendre Père, nous prions pour ta protection. Protège, c'est notre Dieu. Protège le nôtre, ceux qui sont en voyage, ceux qui sont en train de voyager, ceux qui vont voyager. Éternel, notre Dieu, nous invoquons la puissance du sang qui a été versé à Golgotha sur nos vies, sur nos maisons, sur nos biens matériels, nos voitures. Seigneur, notre Dieu, que le sang versé à la croix recouvre nos vies, nos maisons, nos voitures, nos puissants de Jésus. Nous invoquons la puissance du sang qui a été versé à Golgotha, maître du ciel et de la terre. Merci pour ta protection. Merci pour ta protection, au nom puissant de Jésus, grand roi de l'univers, nous te sommes infiniment reconnaissants, nous te rendons toute la gloire, au nom puissant de Jésus, l'Éternel est Dieu qui protège, s'il te plaît, merci de nous protéger, garde notre départ, garde notre arrivée, au nom puissant de Jésus, nous bénissons ton Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, que l'honneur, la gloire, la majesté te revienne, merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ta faveur et pour ta fidélité. Bienvenue dans le Seigneur, nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimé, alléluia, contre, alléluia, prier, bien-aimé dans le Seigneur, contre, n'est-ce pas, la mort, alléluia, bien-aimé, la mort prématurée, la mort subite, la mort à travers les accidents, la mort programmée dans les mondes occultes, dans les mondes magnifiques, nous allons nous lever contre la mort, bien-aimé dans le Seigneur, que ce soit à travers les accidents, à travers, bien-aimé dans le Seigneur, les maladies, alléluia, bien-aimé, nous allons nous lever contre la mort, nous allons prier, bien-aimé, pour briser tout esprit de mort, au nom puissant de Jésus, parce que nous proclamons la vie et non la mort. Élevons nos voix, bien-aimés, proclamons trois fois, Jésus est vivant, un, deux, trois, Jésus est vivant, Jésus est vivant, Jésus est vivant, oh Seigneur Jésus, tu es vivant. Voilà pourquoi nous sommes là pour célébrer la mort. Nous nous lèvons contre la vie, ô tendre Père, nous nous lèvons contre la mort, au nom puissant de Jésus, nous en appelons à la vie, au nom puissant de Jésus, nous nous lèvons contre la puissance de la mort, nous brisons la mort prématurée, nous brisons la mort subite, au nom puissant de Jésus, la mort c'est notre Dieu, à travers les accidents, à travers les maladies c'est notre Dieu. Les maladies cardiaques, la mort c'est notre Dieu, à travers les hypertensions, nous demandons une protection spéciale, au nom puissant de Jésus, nous brisons la mort prématurée, nous nous lèvons contre la mort prématurée et proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux de, alléluia, de miséricorde, que tu t'élèves éternel, Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta grâce et pour ta faveur. Merci pour ton amour et pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci Seigneur. Oh, nous te bénissons éternel, notre Dieu. Nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci Seigneur. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom puissant de Jésus.
Seigneur, merci. Nous nous lèvons contre la mort. L'amour sponsorisé sur notre Dieu, alléluia. L'amour sponsorisé par les sorciers, les occultistes, les magiciens. Nous nous lèvons contre l'esprit des morts. Au nom puissant de Jésus-Christ, dignes-tu, toi, les rois éternels. Seigneur, merci pour la vie des dieux, Zoé. Gloire et louange à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Béni dans le Seigneur, nous allons nous lever, n'est-ce pas? Nous allons prier, béni dans le Seigneur, par rapport aux catastrophes, n'est-ce pas? Aux inondations, n'est-ce pas? Dans ces moments, bien, mais nous allons, n'est-ce pas? Que Dieu étende sa main. Alléluia, sur ceux qui vivent dans ces catastrophes, n'est-ce pas? Que Dieu étende sa main sur ceux qui ont été victimes des inondations. Que Dieu étende sa main, n'est-ce pas? Que Dieu, n'est-ce pas, bénédiction, Seigneur, touche, alléluia, ceux qui ont perdu le leur, ceux qui ont perdu le bien matériel, bienvenue dans le Seigneur. Que Dieu, bienvenue dans le Seigneur, vienne en aide. Nous allons invoquer le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne en aide au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit vienne consoler. Que le Saint-Esprit vienne fortifier au nom puissant de Jésus. Proclamons trois fois, n'est-ce pas, bienvenue dans le Seigneur. Proclamons trois fois, alléluia, Jésus est Seigneur. 1, 2, 3. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Bien aimé, prions, n'est-ce pas, que le Saint-Esprit console les cœurs. Oh, Maître du ciel et de la terre, nous te bénissons, nous te glorifions, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour la puissance de la vie. Merci pour la puissance de la consolation. Au nom puissant de Jésus, l'éternel Dieu qui console. Merci, Seigneur notre Dieu. Merci de consoler. Au nom puissant de Jésus, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons. Nous te glorifions, nous te magnifions, au nom puissant de Jésus-Christ, éternel Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta fidélité, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Tendre Père, merci. Merci de protéger le monde entier, selon très Dieu, alléluia, contre toutes ces catastrophes. Seigneur, souviens-toi de tous ceux, alléluia, qui ont perdu le leur dans ces inondations, que ce soit en Belgique, que ce soit en Allemagne, en Hollande et partout ailleurs. Là où, bien aimé, le Seigneur, il se passe des catastrophes, nous prions que tu étends ta main de consolation. Console, Seigneur, notre Dieu, ceux qui ont perdu le leur, nous demandons une consolation spéciale de ta part. Saint-Esprit, viens consoler. C'est toi le consolateur, c'est toi le consolateur, c'est toi le consolateur. Tu intercèdes même par des soupirs inexprimables. Merci Saint-Esprit d'intercéder. Merci Saint-Esprit d'intercéder au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit d'intercéder, de toucher les cœurs au nom puissant de Jésus, de consoler, de fortifier. Saint-Esprit, merci de le faire au nom de Jésus. Nous te bénissons, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à toi qui a, alléluia, assis sur les trônes de gloire. Oh, notre Seigneur, notre Dieu, merci. Alléluia, glorifie ton nom. Manifeste ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te rendons toute la gloire. Merci, Seigneur. Oh, Robo Yandava. Oh, Robo Yakaraba Yokoro. Oh, Robo Yandava. Oh Seigneur, merci. Dans le bien-aimé, prier, n'est-ce pas? Alléluia. Que Dieu s'élève, que Dieu touche, bien-aimé, tous les dirigeants de ce monde. Que Dieu arrête la folie, bien-aimé, de certains décideurs qui pensent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent, bien-aimé, que Dieu s'élève et arrête la folie de certains décideurs, de certains politiciens, de certains scientifiques, bien-aimé, de certains, bien-aimé, dans le Seigneur, ceux qui sont dans les Big Pharma. Bien-aimé, que Dieu s'élève et arrête la folie de ceux qui croient que tout leur est permis. Ils peuvent faire, bien aimé, au mépris de l'être humain, au mépris de la vie humaine. Ils peuvent tout faire au mépris de la vie humaine. Bien aimé, que Dieu s'élève et arrête la folie humaine, la folie de tous ceux qui méprisent la vie humaine. Alléluia. Nous allons élever nos voix, nous allons proclamer, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur. Nous allons proclamer trois fois, Jésus est Seigneur. Que Jésus s'élève, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Bien aimé, que Dieu s'élève. Alléluia. N'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur, contre tous ceux, bien aimé, qui méprisent la vie humaine. Au nom puissant de Jésus. Proclamons trois fois, n'est-ce pas, Jésus est Seigneur. 1, 2, 3. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Seigneur Jésus, lève-toi, alléluia, dans ce monde. Lève-toi, Seigneur Jésus, alléluia, au nom puissant de Jésus. Que tu t'élèves dans ce monde. Que tu t'élèves dans ce pays. Que tu t'élèves en Europe. Que tu t'élèves en Afrique, aux États-Unis, partout ailleurs. Lève-toi, Seigneur Jésus, et fais taire.
Fais taire tous ceux qui, alléluia, qui méprisent la vie humaine. Seigneur Jésus, que tu t'élèves. Que tu t'élèves contre tous ceux qui méprisent la vie humaine. Seigneur Jésus, lève-toi. Lève-toi contre tous ceux qui méprisent la vie humaine. Contre tous ceux qui méprisent notre Dieu. Les hommes que tu as créés à ton image. S'il te plaît, éternel Dieu Tout-Puissant, que tu t'élèves. Lève-toi dans ce monde pervers et corrompu. Lève-toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Lève-toi, grand roi de l'univers. Nous te bénissons. Nous te louons. Nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions, au nom puissant de Jésus-Christ, Maître du ciel et de la terre. Merci Seigneur pour toutes tes grâces et toutes tes grandes compassions. Que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à toi qui vis dans la éternité en éternité. Sois béni, Maître du ciel et de la terre. Sois glorifié, toi qui es assis sur ton trône de gloire. Merci Seigneur. Alléluia. Merci grand roi de l'univers. Au nom puissant de Jésus-Christ, gloire et louange à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Vous allez élever nos voix, bénis dans le Seigneur. Nous allons prier, n'est-ce pas, bénis dans le Seigneur. Nous allons prier, n'est-ce pas, bénis dans le Seigneur. Priez, bénis dans le Seigneur, pour que Dieu, n'est-ce pas, vienne consoler. Alléluia. Ceux qui passent par des temps difficiles, que Dieu console. Alléluia. Que Dieu console. Ce qui passe par des temps difficiles. Élevons nos voix, n'est-ce pas, prions pour la consolation. Tendre Père, merci. Merci, c'est bien aimé. Prions que le Saint-Esprit vienne consoler. Saint-Esprit, merci de consoler ceux qui passent par des temps difficiles en ce moment. Merci, Saint-Esprit, pour la puissance de la consolation. Saint-Esprit, viens consoler ceux qui passent par des temps difficiles. Nous proclamons ta victoire, cher Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Viens consoler, Saint-Esprit. Viens consoler au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, cher Saint-Esprit. Merci de consoler ceux qui passent par des temps difficiles. Merci de consoler ceux qui sont endeuillés. Merci de consoler ceux qui sont troublés. Merci de consoler et d'apporter la paix dans les cœurs. Au nom puissant de Jésus, merci pour la puissance de la consolation. Merci pour la puissance de la guérison. Guéris, cher Saint-Esprit. Guéris, alléluia. Guéris ceux qui sont troublés dans leur âme. Merci pour la puissance de la guérison. Nous proclamons ta victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons proclamer la puissance de la guérison. Que le Saint-Esprit guérisse, n'est-ce pas, bien-aimés, ceux qui sont malades, ceux qui sont à l'hôpital, bien, nous allons prier, profiter pour prier pour maman Fifi, maman Albertine. Que le Saint-Esprit guérisse, n'est-ce pas. Nous allons invoquer la puissance de la guérison. Ceux qui sont malades, bien-aimés, ceux qui sont atteints, n'est-ce pas, de coronavirus, ceux qui sont à l'hôpital, ceux qui sont dans leur maison. Que le Saint-Esprit guérisse au nom puissant de Jésus. Proclamons trois fois, n'est-ce pas, bien aimé? Proclamons trois fois le feu du Saint-Esprit. Un, deux, trois. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit de notre Dieu. Nous élevons nos voix vers toi. Nous proclamons la puissance de la guérison au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci, éternel Dieu, grand redoutable. Merci de guérir. Merci de guérir notre Seigneur, notre Dieu, au nom puissant de Jésus. De guérir ceux qui sont malades. De guérir maman Fifi. De guérir maman Albertine. Au nom puissant de Jésus. Souviens-toi de toutes les personnes malades. Celles qui sont hospitalisées, celles qui sont à la maison. Tendre Père, nous proclamons la puissance de la guérison. Saint-Esprit, merci de guérir par le sang de Jésus. C'est par tes maîtrisures que nous avons été guéris. C'est nous proclamons la puissance du sang qui a été, alléluia, versé à Golgotha. C'est par tes maîtrisures que nous avons été guéris. Merci Seigneur notre Dieu pour la guérison de tous nos bien-aimés qui sont malades, tous ceux qui sont malades. Merci de guérir, merci de guérir, merci de toucher au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la puissance de la guérison. Nous proclamons la puissance de la guérison au nom de Jésus. Tendre Père, merci de guérir tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont malades dans leur maison, alléluia, tous ceux qui sont malades à l'hôpital. Nous proclamons la puissance de la guérison. S'il te plaît, confonds, Seigneur, confonds les prédictions de médecins, confonds les prédictions de médecins, tous ceux qui sont atteints de coronavirus. Nous proclamons la puissance de la guérison. S'il te plaît, tendre Père, confonds les prédictions de médecins, confonds les prédictions de médecins. Nous prions, tendre Père, pour que tu confondes les prédictions de médecins au nom puissant de Jésus. Bien dans le Seigneur, nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimé? Que Dieu étende sa main sur l'Afrique, n'est-ce pas? Que Dieu étende sa main dans le Seigneur sur l'Afrique, qui est en train, n'est-ce pas, bien-aimé? Qui fait, n'est-ce pas, bien-aimé? Face, n'est-ce pas, bien-aimé? À une vague de cette pandémie, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur? Et les gens sont en train de mourir tous les jours en Afrique. Nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimé? Il n'y a que Dieu qui peut arrêter cette folie. Si elle vient, n'est-ce pas, du monde occulte, il n'y a que Dieu qui peut l'arrêter. Elles vont nous voir, n'est-ce pas? Que Dieu étende sa main sur l'Afrique, que Dieu étende sa main sur les États-Unis et partout ailleurs. Que Dieu étende sa main pour arrêter, bien dans le Seigneur, la fausse, cette maladie, n'est-ce pas, meurtrière.
Proclamons trois fois Jésus est Seigneur. Un, deux, trois. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi. Nous proclamons ta victoire. Merci, grand roi de nous d'étendre ta main sur l'Afrique pour arrêter, alléluia, la contamination au coronavirus et tous ses effets. Nous arrête la mort, s'il te plaît, tendre Père. Merci d'étendre ta main de guérison. Merci d'étendre ta main de protection sur l'Afrique au nom puissant de Jésus, ainsi que sur les autres pays menacés par le coronavirus au nom puissant de Jésus. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Maître du ciel et de la terre. Étends ta main, puissant de Jacob. Merci d'étendre ta main. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions au nom puissant de Jésus. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce. Alléluia. Élève-la, bénis dans le Seigneur. Alléluia. Commence, n'est-ce pas, bénis dans le Seigneur. Nous allons, n'est-ce pas, bien prier que Dieu suscite, n'est-ce pas, bénis dans le Seigneur. Alléluia. Une génération, n'est-ce pas, des politiciens, des hommes d'affaires, des scientifiques, n'est-ce pas, avec la sagesse divine. Que Dieu suscite, bénis des gens corrects pour, n'est-ce pas, la direction de ce monde. Élevons nos voix, n'est-ce pas, prions. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous prions, tendre Père, que tu suscites, c'est notre Dieu, que tu suscites des hommes sages et intelligents, tendre Père, pour la direction de ce monde, au nom puissant de Jésus, que ce soit des médecins, que ce soit des politiciens, des économistes, dans l'armée, tendre Père, nous prions pour que tu, c'est notre Dieu, tu élèves une autre, c'est notre Dieu, une autre race de personnes, c'est notre Dieu, capable de pouvoir, Seigneur notre Dieu, guider ce monde avec sagesse. S'il te plaît, tendre Père, il y avait les Joseph autrefois, maître du ciel et de la terre, que tu élèves des Joseph, élève des Joseph, élève des Joseph, arrête, tendre Père, la folie humaine, au nom puissant de Jésus. Nous proclamons ta victoire, maître du ciel et de la terre, merci pour ta grâce. S'il te plaît, tendre Père, lève-toi pour arrêter la folie humaine, pour arrêter, Seigneur notre Dieu, la folie humaine, au nom de Jésus Christ. Merci de susciter, tendre Père, des bons dirigeants, des dirigeants, Seigneur, remplis de ton cœur, rempli du Saint-Esprit, des dirigeants sous ta direction, tendre Père, merci de susciter des dirigeants corrects, des dirigeants, c'est notre Dieu, qui pourront changer, c'est notre Dieu, la donne de ce monde au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci de t'élever et de te manifester. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Remercions le Saint-Esprit. Alléluia. Bénissons le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui nous accorde dans ce programme de prière. Élevons nos voix, bien-aimés. Bénissons le Saint-Esprit. Alléluia. Bienvenue dans le prions, n'est-ce pas, d'abord pour les saluts des âmes, que le Saint-Esprit souffle, n'est-ce pas, pour que les gens, les hommes et les femmes se tournent vers Dieu. Élevons nos voix d'abord, prions pour les saluts des âmes et rendons grâce au Saint-Esprit. Alléluia. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous prions pour les saluts des hommes, c'est notre des âmes dans ce monde, au nom puissant de Jésus. Le salut des âmes dans cette ville de oui, le salut des âmes en Belgique, le salut des âmes dans le monde entier. Nous prions pour les saluts des âmes. Saint-Esprit, merci de souffler. Saint-Esprit, ramène les cœurs à toi au travers de cette pandémie, à travers de toutes ces situations que le monde est en train de traverser. Ramène les hommes, les cœurs des hommes et des femmes à toi, au nom puissant de Jésus. Ramène le cœur à toi, au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, cher Saint-Esprit. Merci de ramener les cœurs. Ramène les cœurs à Dieu. Ramène les cœurs à Dieu. C'est toi qui ramènes les cœurs. C'est toi qui rends les cœurs sensibles. Ramène les cœurs à Dieu, au nom puissant de Jésus. Nous proclamons ta victoire. Merci pour la puissance de la guérison. Merci pour la puissance de la délivrance. Au nom puissant de Jésus. Dieu de gloire, merci. Saint-Esprit, merci de nous avoir soutenus durant ce programme de prière. Merci d'avoir soutenu mon frère, d'avoir soutenu ma sœur, d'avoir soutenu ton peuple, de nous avoir fortifiés au travers de ce programme de prière. Merci Saint-Esprit, notre Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Bienvenue dans le ciel, acclamons le Saint-Esprit, acclamons le Saint-Esprit, acclamons le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagne. Que l'Éternel, notre Dieu, fasse luxe sur vous, sa face qui vous apporte sa paix. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Soyez bénis. Amen, 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 amen. À très bientôt, bienvenue dans le Seigneur. Merci, bienvenue dans le Seigneur. Merci, merci beaucoup. À très bientôt, n'est-ce pas? On se rencontre à minuit, n'est-ce pas, pour notre prière. Alléluia, de minuit. Soyez bénis, à bientôt, n'est-ce pas? Ne nous fatiguons pas de prier. Prions, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur. Alléluia. Pensons, bien à ceux qui passent par des temps difficiles. À très bientôt. Merci, bien dans le Seigneur. Merci.